think the fighting was probably as severe as any we knew during the entire war. And we fought down in Italy where it was difficult, mountainous, cold, in the desert of North Africa, which was bad, and Sicily, which was very bad. But the Balkans had a quality, the Ardennes had a quality all of its own. Deep, cold, bitter cold. And then, of course, we had no camouflage uniform, so we took Belgian bed sheets. And being a parachute company, battalion, the division, we had sewing machines to repair parachutes, so we made coats out of those Belgian bed sheets, white coats, long sleeves, come down to the waist. The snow would cover you up to your knees. So that improved and helped us a lot. We painted some of our vehicles white, and I admired the way the GIs reacted to the conditions they met. We didn't expect anything quite like that. They stayed out, slept out in the snow all night, and night after night. It was hard going. Trench foot was rampant, cold, frost, frozen feet, and so on. They were very bad, but they did a great job, a very fine job. Bonsoir. Une des unités américaines les mieux connues du grand public est la 82e Airborne. Son action en Normandie en juin 1944 dans le secteur de Sainte-Mère-Église est présent dans toutes les mémoires. À la tête de la 82e, le général James Gavin, le plus jeune général de l'armée américaine. Dès son arrivée dans la région de Werbomont, il se rend compte de la situation. Immédiatement, ses hommes sont confrontés à la colonne Piper qui serpente dans la vallée de l'Amblève entre Stavelot et Trois-Ponts. Un avion léger de reconnaissance vient d'ailleurs de signaler la présence de blindés ennemis à la Glaise. Est arrivé, ils avaient mis une étoile, une bâche avec une étoile américaine, voyez-vous, sur le second tank. Et on a vu qu'il tournait et qu'il faisait le tour, donc ils avaient raclé les façades de nos maisons ici, et ils faisaient le tour, ils sont arrivés devant l'école. Et de nouveau, une salve. Et ça fait que Mademoiselle Collard se trouvait sur le seuil de sa porte et le facteur Mathias revenait, il était en costume de facteur et il revenait. Ils étaient allés mettre de côté avec le percepteur de la gare, ils étaient allés mettre bien 2 millions, sauver 2 millions qui étaient arrivés par la poste. Ça fait, il arrive chez Madame Collard pour voir ce qui se passait. Et en même temps, ils reçoivent une balle meurtrière, tous les deux. Et l'un est tombé dans le corridor, et Mademoiselle Collard un peu plus loin. Et elle crie, « Maman, j'y suis, Jésus-Marie. » Dans le petit village de la Glaise, c'est la panique. Le feu de l'artillerie américaine est de plus en plus dense. Les Allemands rassemblent civils et blessés dans l'église. Le premier obus est venu à l'hôtel de Saint-Joseph. Alors ils nous ont fait caser dans le fond. Alors le deuxième obus est venu au grand hôtel. Alors on ne voyait plus, il y avait de la poussière, des pierres. Alors on voulait sortir et ils ont dit qu'il ne fallait pas sortir, qu'il valait mieux de rester en dessous des voûtes. Et c'était tous les 5 minutes. On disait une prière pour survivre encore 5 minutes seulement. On ne faisait pas de marché plus grand. Quand le clocher a descendu, il avait cette écoute de coûte, il a fallu sortir de nouveau. Alors tout perdu, il y avait les arbres partout, vous sauriez bien un petit peu ce que ça peut être. On a voulu aller derrière l'école, alors là derrière l'école, il y avait les Allemands qui étaient dans les tranchées. Ils ont dit Raus, 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 il fallait de nouveau partir. L'école était toute effondrée. On est repassé ici, on est venu ici, c'était ma grand-mère, il y avait une demi-vache là sur la table. Il y avait un sapin de Noël là qui était préparé. On a voulu encore descendre le village, mais ici, mais non, pas pour vous nous laisser passer, il était dans les haies ici plus bas. Alors on est venu se loger ici dans une petite étable de moutons. Alors après le village a commencé à brûler, alors on est de nouveau reparti, mais
Partout on tirait, on a rampé tout le long de la route de Chauneuil, là, le long des routes, là. Parce que les Américains étaient au-dessus et les Allemands en bas, ils tiraient sur le haut. Lors de la nuit, on est allé vers le château de Fratecourt. Les Américains étaient là. L'étau américain se resserre autour des SS de Joachim Peiper qui occupent la Gleise. Quelques kilomètres plus loin, à Stoumont, les SS sont arrêtés par la 30e division d'infanterie américaine qui contre-attaque. Le choc est violent. Deux compagnies de GIs parviennent à prendre les Allemands à revers en descendant à travers bois. Elles sont commandées par le major McCown. I put my two companies on line, attack towards Stoumont. I fell trees across the main road running from Stoumont to La Glaise and put mines across the road, blocking that main road between Stoumont and La Glaise. I heard no firing to my right, and I should have been seeing the 3rd Battalion. I moved out to my right to contact the 3rd Battalion. I had no rear. I left my rear, my headquarters company, well back to the north behind the 3rd Battalion because my combat elements were deep in the rear of the German lines. So I just moved with my two combat companies and moved out alone with a radio operator and an orderly to contact the 3rd Battalion. I walked squarely in the middle of about 30 Germans, not knowing that my 3rd Battalion had not cleared that area and moved off. So that's how I was captured. La neige recouvre tout. C'est la nuit de Noël. Les SS sont encerclés dans la Gleise. Ils n'ont plus d'essence, plus guère de munitions. Les bombardements américains deviennent intenables. Peiper décide d'évacuer la Gleise et tente avec les 600 hommes qui lui restent de rallier les lignes allemandes à pied. Les SS doivent contourner trois ponts et traverser les lignes américaines. Karl Wortmann reçoit le signal du départ. In der Nacht kam ein Melder und rief das Wort Frohe Weihnachten. Ja, Frohe Weihnachten, wir brechen aus La Glaise aus. Sofort den Panzer sprengen und folgen. Und in dem Moment war der Melder auch schon wieder weg. Und dann haben wir sofort unsere wichtigsten Sachen genommen und haben den Panzer mit zwei Haftladungen gesprengt. Und dann bin ich mit meiner Gruppe hier nach La Glaise zugegangen. Und in der Nacht zuvor hat es etwas geschneit. Und ich habe aber von dieser Kolonne überhaupt nichts gesehen. Plötzlich sagt einer meiner Kameraden, hier in dem Schnee sind viele Fußspuren. Und dann sind wir diesen Fußspuren gefolgt. Und dann haben wir die Kolonne eingeholt, wie sie gerade unter der Bahnunterführung war und bog denn und wir waren dann links umgebogen, wo diese wenigen Häuser da im Ambleftal stehen. Und dann hieß es, alles runterkommen. Und wer schwimmen kann, da waren auch einige bei, die sind dann rübergesprungen durch den Fluss. Der war damals ziemlich hoch, der hatte Hochwasser. Und dann habe ich gesehen, wie wir dann unten waren, dass wir uns einhaken mussten, immer so verkehrt. Einer guckte so, einer so und dann eine kleine, eine größere Person. Und dann ging es durch den Fluss durch. Und dann musste man auf diese Steine, die man unten quer da reingelegt hatte, mussten wir nun balancieren. Und die Strömung, die war unerhört stark. Und die hat diese Kette, die wir nun durch das Einhaken gebildet hatten, die Kette auch auseinandergerissen. Also sind ein paar Dutzend. Da sind einige ertrunken und abgetrieben. Ne? Es war ja auch so kalt, dass einer, der reinfiel, selbst wenn er ein guter Schwimmer war, in der vollen Uniform keine große Chance hatte bei der starken Strömung. Ja. En quittant la Glaise, Peiper décide de ne pas s'encombrer de prisonniers américains. Il les abandonne dans l'église du village. Cependant, il emmène un prisonnier, un seul, le major McCown. I thought. When he tried to get through an American line with all of its fixtures, that he'd have a lot of trouble and I'd have several good opportunities to get away. Luckily, after we met the Americans, apparently an American company, a firefight broke out between the column I was with and this American company. Finally, the firing broke out extremely heavily. And I had hit in a dark spot.
And many branches and trees, elements of trees fell on us from close explosions and machine gun and rifle fire, cutting the branches over us. I wiggled away a little distance from where I was, then wiggled a little further, crawling in the deep snow, and finally wiggled well away from the line where I was and continued moving on. Finally, I turned straight toward the direction from which the American fire was coming, came to a road, started whistling an American tune, and I ran into an outpost of the 82nd Airborne.